Salut tous, c'est Gégé Nardon, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur intervention sur PC pour le deuxième épisode avec les pompiers. Oh, je sais pas qui m'a dit. Les gars, d'un bâtiment industriel désaffecté en maçonnerie, deux étages, plan apparente au premier étage. Les massifs. La bonne est juste à côté du bâtiment. Ouais, on se met sur une tonne sur les yeux. Alimente le camion en bonne fontaine. Oui, ça parle de préconnect, OK? OK, ouais, c'est bon. 216 centrales. 216 pour le 25 carrier 10-17. Un bâtiment désaffecté industriel de deux étages. Flamme apparente au premier étage. Le code est 1007 et le 216 épice. Let's go, les gars, faut que ça opère. Ok, il y a deux étages. On va faire une vérification autour du bâtiment, ce qui est logique quand même, parce que se précipiter directement dans le bâtiment, ça serait un peu chaud. Allez faire le tour du bâtiment. Ok. Je vais rentrer une gare de pour ce l'intérieur. C'est un choix compliqué quoi. Pour le moment, c'est pas vital, on va dire. On pourra voir. Mais hein. Pense avoir l'eau. Oui, envoie-moi l'eau, s'il vous plaît. Normalement, je crois qu'on prend. Je vais envoyer l'eau. Ici pour le 25 carrier. Mais le feu est situé au premier étage. On a un bâtiment industriel désaffecté en briques et en maçonnerie. Le code est 1009. Le PC passe en mode attaque. OK. Finalement, ça c'est logique. Oubliez pas vos cagoules, les gars. Quand vous êtes prêts, on y va. Oui, oui. Je vais chercher une échelle pour un échelle. On va rentrer directement. C'est hyper. Ah, ouais, en fait, je crois que la logique, en fait, c'est si on prend une échelle ou si on coupe le gaz, en fait, ça rallonge la période d'intervention. Pourquoi avoir rentré directement? On avance tout, puis on va s'avancer au niveau du premier et deuxième étage. Fouiller un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on propose? Caméra thermique, sortez dehors afin d'essayer. La caméra thermique, hein. Okay, bon. Sortir dehors, c'est bon. Une guerre de temps. Je vais ouvrir les fenêtres. Pas inutile, hein, carrément. Ok, c'est bon, on va essayer. Le moment, on s'ouvre pas. Ouais, cap, ça va, arrêter. Il y a personne ici. Tu peux ouvrir la porte, là? Ouais. Allez, on va de côté. Parce qu'il y a personne ici, hein, capitaine? Non, c'est vide. Vite. C'est bon, il n'y a personne. C'est bon, il n'y a personne ici non plus. Je vous aime. Déjà, il n'y a personne. On va monter en haut. Je vais vérifier le deuxième. Ok, c'est bon, on y va. Attention à dégager les marches. Ok, merci. On vient toutes les pièces, puis on fait une ventilation. Ok, c'est bon. C'est bon, capitaine, je vois la fenêtre! C'est la vie, personne, c'est bon. Commence ma pièce. Oh, une dernière pièce. Dernière pièce. J'ai trouvé une victime! Ok. T'as bien fait de fouiller. C'est carré, central.
Les cibles, on a un 25 carrière, ils disent prendre ambulance, on a trouvé une victime inconsciente au deuxième étage. Ambulance à 42 minutes. On est plusieurs. On va prendre le choix numéro 2 parce que. Ôter son masque, non. Ouais, par la fenêtre, c'est un peu chaud. Puis vu qu'ils sont plusieurs, ils peuvent passer ouais, par la fumée, quoi. Non, non, ça doit être bon. Je vais vous guider. Contexte, hein. C'est bon, on descend. C'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai rendu. C'est bon, t'es niveau sol. On le pose en blanche, excellent. Ça va aller, mon gars. Dix-neuf minutes. Capitaine. Il y a un briquet dans son sac. Des criminels. D'accord, ok, un briquet, ok, voilà, il y a la police, hein, parce que... Casey Carrier, centrale. On sait jamais. Centrale, Casey pour le 25 Carrier, 10-30 police pour une possibilité de centre criminel. Police à 46 minutes. Je prends conscience. Je m'excuse. Oh, c'est le cas. C'est correct, mon gars s'occupe de toi. Les ambulanciers s'en viennent. Je pensais pas que ça pognerait un peu le même. Comment tu t'appelles? Jérôme, ben, c'est de la chance, le mec. L'important, c'est que tu sois sain et sauf. T'as pas mal à nulle part? Pas de brûlure, rien? Ça va. J'ai vu que tu t'es fait un kit de survie aussi, tu t'en vas comme ça? Ça va pas bien chez nous. Ok, Jérôme. Regarde-moi. Les ambulanciers vont arriver. Ils vont t'examiner comme il faut. Après, on va appeler tes parents ensemble. C'est correct pour toi. Okay. Reste avec lui, on les fait un dernier check-up. On en déplace le moins possible, OK? C'est bon. Ça avec lui. Et on va regarder pour voir s'il n'y a pas d'autre. Tout est beau ici, on l'a de côté. C'est beau, les gars. On garde ça de même pour la police. Hey, good job, les boys. Yes! Hey, good job. Beau travail. Ceci est une mission bien menée. Hey, yeah. Good job. Good job. Good job. Oh. On est content que tu sois en vie, mon homme. Cinq étoiles. Juge. Ben voilà. On est au résultat de l'émission pompier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir. Et on se retrouvera donc avec l'émission de médecin. Alors, par contre, pour l'émission de médecin, âme sensible, s'abstenir. Pour éviter de vous choquer. Allez, on se retrouve pour la prochaine épisode pour les médecins et infirmiers. Allez, salut, salut!